استضيافتنا الحقيقه هيكون معانا دلوقتي مارك فليمنتس، ده مدرب منتخب او صانع الحقيقه صانع منتخب بلجيكا اللي بقى واحد من المنتخبات الكبيره جدا، كان مدرب لمنتخب بلجيكا طبعا ودرب شالكا في المانيا ودرب بوردو في فرنسا. اتكلمنا معاه على فرص المنتخب البلجيكي في كاس العالم، توقعاته لمشاركه المنتخبات العربيه، اهم النجوم وفرص تالقهم طبعا مع المنتخب البلجيكي في مونديال 2022. تعالوا نتابع اللقاء، وقبل ما نتابع اللقاء لازم اشكر زميل عزيز احمد شهاب طبعا اللي تعب جدا لغايه لما تواصل ونجح في اقناع مارك فليمنتس بالظهور معانا، واشكر كمان المترجم ابراهيم مسعود. نتابع الحوار ونرجع لحضراتكم. Au niveau de l'équipe belge actuelle, est-ce que c'est la meilleure de tous les temps? C'est très difficile à dire puisqu'on n'a pas gagné un tournoi. Donc on a été en quart de finale, une fois en demi-finale. Donc l'équipe de 86, ben, c'était une surprise qu'elle soit là, mais ça c'est la un tournoi. Mais au niveau de la qualité de 86, faut pas oublier que les équipes belges dominaient l'Europe à ce moment-là. Les clubs étaient en quart de finale, demi-finale, finale dans les Coupes d'Europe, donc on avait un excellent niveau dans notre championnat. Tandis que là, ce sont plutôt des joueurs qui se sont expatriés, qui sont partis maintenant donc en Allemagne, qui sont partis en Angleterre, beaucoup. Et c'est une génération d'expatriés, c'est qui n'existait pas en 86 à ce temps-là. Donc je ne vais pas dire qu'une est meilleure que l'autre. Je pense qu'elles ont arrivé pour l'instant à des résultats qui sont à peu près similaires. Alors dire que si l'équipe belge peut gagner le tournoi, disons qu'on peut avoir des regrets sur 2018, où là... L'équipe était, tous les feux étaient ouverts puisque la défense était présente, ce qui n'était pas le cas en 2016 à l'Euro. Donc là, on a eu tous nos joueurs, même Thomas Vermaal, qui est un excellent défenseur titulaire, était sur le banc contre la France en demi-finale. Maintenant, on a une génération qui vieillit. Donc des joueurs en défense qui ont 34, 35 ans, qui ont perdu un peu de vitesse, ce qui est totalement normal, mais qui auront beaucoup d'expérience. Donc j'ai assez d'expérience pour dire qu'un tournoi, ça, c'est long. Ça va se jouer quand même très très vite, il y a à peine un petit mois. Donc comment vont être les organismes, comment vont être nos joueurs, la fraîcheur, le rythme qu'ils auront dans les... Prenons le cas d'Eden Hazard au Real de Madrid, qui joue peu pour l'instant. À quel niveau il sera, ce sont toutes des questions qu'on peut se poser. Mais l'équipe nationale peut être un outsider, évidemment, vu la qualité des joueurs, l'expérience des joueurs. Et maintenant, il faut... Dans un tournoi, il faut un petit peu de réussite. En ce qui concerne l'équipe marocaine, dans le groupe qu'ils sont, pour moi, la Belgique et la Croatie sont en qualité, sont au-dessus. Mais je retiens le dernier mondial des Marocains, qu'ils avaient l'Espagne, le Portugal de tête. Et c'était un groupe de la mort, si on peut dire ainsi. Mais ils méritaient beaucoup plus que seulement un point ou zéro point qu'ils avaient pris. Ils auraient pu en prendre cinq pour le même prix. Donc voilà, c'est une bonne équipe. Maintenant, de quelle manière elle va entamer ce tournoi? Donc normalement, sur la qualité, je ne les vois pas passer. Je vois Belgique-Croatie au niveau de l'expérience, au niveau de la qualité des joueurs. Donc voilà, on verra avec le Maroc. En ce qui concerne le Qatar, bon, pour se qualifier pour le second tour, d'abord, je leur souhaite. Parce que si on organise un tournoi, c'est toujours pour aller minimum jusqu'en huitième ou en quart. Mais si je regarde la qualité, je pense que les Pays-Bas pour l'instant et le Sénégal, le champion d'Afrique, sont les grands favoris pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour moi, je pense que le titre cette année, ce sera l'Amérique du Sud. Donc à vous de chercher lequel. Non, Brésil, Argentine, je pense qu'on sera... C'est les deux équipes qui ont le plus gros potentiel pour l'instant. Oui, pour moi, l'équipe brésilienne, c'est la plus forte en qualité sur le tournoi, mais pas seulement au niveau de l'attaque, où tu as Vinicius, Rodri, tu as Neymar, tu as Jesus devant, tu as Richarlison. Ils ont un potentiel qui est énorme. Au milieu de terrain, Casemiro, Fred, ils en ont un Paqueta, ils en ont un paquet. Donc voilà, il y a une concurrence qui est très, très, très sévère. Même derrière, c'est très, très fort. Ça a beaucoup d'expérience. Donc là, comme je viens de les voir à deux mois de la finale, c'est vraiment... Enfin, de la finale. S'ils arrivent en finale, évidemment, c'est vraiment le grand favori, presque comme chaque Coupe du Monde. Alors, pour l'équipe iranienne, je pense que là, ils ont un groupe qui est très, très ouvert avec le Pays de Galles, avec les États-Unis. Donc, ce sont des équipes un peu de la même valeur que l'Iran. Ce sera sur la forme du moment. Normalement, l'Angleterre, en qualité de joueur et d'intensité, devrait être au-dessus.
mais ils ont énormément de problèmes pour l'instant. Donc c'est vraiment le groupe pour moi où il y a très peu de personnes qui peuvent dire qui va sortir et passer en huitième de finale. Voilà, et pour la dernière question, tout ça, c'est s'il y a des contacts qui sont pris. Moi, je suis très discret au niveau des contacts et je pense que les gens qui me contactent apprécient cela aussi.